Elle part. Ah, ça y est, elle part. Elle est partie. Bon, il y en a la première. La première, elle est partie déjà. D'accord. Ensuite, on branche tout ça. Attendez, on va regarder. Oh, j'ai mon casque de soie. On va pas le faire. Je dis aux autres ce qu'il faut qu'on fasse. On avance, ça. Oui, c'est pour ça, on a le temps. Voilà. Alors, pour moi, peut-être, je sais pas combien il y a. Le premier écran, c'est un peu. Je vais le mettre au deuxième. Ah. Alors, vous avez des grandes jambes. Vous voyez, un petit. Je vais le faire. Ah. Attendez, allez-y. Retenez-vous. Voilà. Voilà. Oui, parce que je veux pas. Vous allez partir d'un seul coup. Regardez voir vos jambes, ce que ça donne. Là, ici, vous pouvez vous prendre. Là, il y a une encoche. Là. Voilà, c'est bon. C'est bon, vos pieds vont pas être sur les palonniers, là, si. Si vous voulez reculer, il n'y a personne derrière. Hein. Ouais, c'est bon. Ça va? Voilà. Alors, ça ira mieux quand on sera en route. Hein. Ça cogne un peu. Alors, dites-moi, on va où Alors... Pansière, c'est ça, non? Pansière, Seton? Oui, c'est ça. Là, en gros, bah, ça serait d'aller vers le lac des Setons. Puis après, bah, on vous laisse nous faire découvrir le parc du Morvan. Voilà, d'accord. Bon, depuis là-haut. On va le faire dans l'autre sens, comme ça vous serez là, vous aurez de l'aisance. Vous voilà. Puissiez profiter les deux de ce qu'il y a à voir. D'accord. Bon, je vais partir plutôt dans ce sens-là. Ok. Bon, alors le dispositif audio, il est parti. De toute façon, sur la GoPro la moins longue, j'ai 1h15, 1h30 d'enregistrement, donc on a de la marge. Hein. Celle d'en haut, Jean-Claude, elle fonctionne toujours? Oui, c'est bon. Ok. Là, c'est bon, il y a le témoin. Donc, il y en a au moins une qui marche, c'est déjà ça. Ouais. Je crois qu'elle fait plus, là, j'ai la mienne à l'éventuellement. Alors, après, par contre, là, c'est là où on va innover. Alors, de deux choses l'une. Attaché, oui. De deux choses l'une. Vous êtes attaché, oui. Après, en vol, si vous avez besoin, vous pouvez vous détacher. D'accord. Mais que quand on est en l'air. Oui. Et puis à l'atterrissage, vous pensez bien. Oui, non, mais je vais rester attaché tout le temps. C'est mieux de rester attaché. Hein. Oui, c'est mieux. Bon, si je trouve la Ah, c'est dans l'eau. Attendez, voir ça, celle-ci. Attendez, que je dévrille. Voilà. Comme ça. Voilà. Okay. Vous la réglez à votre taille. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, pour une fois, je vais faire... Ah, c'est chiant, ça. Je sais pas comment on fait. Un problème, non? C'est bon, parce que j'arrivais pas à passer dans le même. Ah, parce qu'elle est à l'envers. Attendez, ça, je vais laisser tomber. Hop. Attendez, ouais, c'est pas bon. Là. J'ai pas. Lâchez tout. Il met à l'envers. Attendez, ça, normalement, ça doit être. C'est tout monté à l'envers. Bougez pas. Ça, on va le mettre. Pardon. Là, c'est bien là. Tant pis, elle sera vrillée, je sais pas pourquoi, elle doit être tournée. Bah oui, c'est pour ça que j'ai. Elle doit être tournée. Hein. Et là, comme ça, voilà, dans, l'autre, dans l'autre sens, comme ça. Ah, attendez, on va essayer quand même d'y mettre. Voilà, comme ça. Passer sous le câble. Ouais, voilà, et là, ça va aller. Voilà. C'est bon? Je suis quasiment ok là. Bon, derrière, je m'occupe pas de vous, vous avez l'habitude. Hein. Oui, je pense que ça ira bien. Alors.
là c'est vrai, il ne faut pas mettre la richesse. Batterie. Ensuite, et voilà, c'est fait. À la pompe. Ah, bon. Ok, je m'en vais. Voilà. Pompe, magnéto. Alors, ça, vous me laissez bien aller. Oui. Voilà. Merci. Voilà. Tu m'entends, Pascal? Je t'entends, Jean-Claude. Ok. Ah, tiens, on est venu hier, on a fait la connaissance de Jean-Claude. Ah, oui. Ah, oui, tu m'as mis ça sur. Bien, alors, attends. Ça, ça, ça. Pompe, la pompe, la pompe, la pompe, on verra ça. On va essayer de démarrer du premier coup. Alors, on enlève la pompe, on met l'alternateur. Alternateur radio 123.5, c'est bon. 123.4, ça c'est Saint-Tien. Oups. Voilà. Très bon. Ensuite, la radio c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Tout est bon. Kilo Québec Sierra, c'est-à-dire 400, on est au parking ou au point d'arrêt ou pas? Ça c'est bon, ça marche. Ok. Jean-Louis, il n'y a pas de vent, pas de vent. Hein. Il n'y a pas de vent, on va décoller à 18 et s'il n'y a toujours pas de vent, on posera en 36. C'est pas la peine de faire du roulage. Ok, et s'échauffer un tout petit peu quand même. Alors en attendant, on va vérifier. Le conservateur de cap. Ensuite, l'altimètre, on va le régler au QNH. Tac, tac, c'est bon. Là-bas on est bon, les températures, ça c'est bon. Je l'ai rempli ça ou pas? Oups. La pompe qui chauffe un petit peu quand même. Ouais. C'est mieux. Ouais, c'est mieux quand même. Ça marcherait autrement, mais c'est pas comme ça que ça se passe. T'as commandé. Ah, il m'a mis 11.30, ok, bien. Pilote. Ouais, allô. Ça tourne? Ça tourne. Voilà. On est le 29. 5, 17. S, heure de départ, j'avais marqué 10h, c'est bon, c'est 10h30 du coup. Ah, il est 10h20 là. C'était où ça? C'était là. Voilà. Bon. Allez, là c'est bon, là c'est bon, on va faire les essais coupure. Un petit peu rapide. Alors, 1700 tours s'il veut y aller, voilà. Magnéto 1. Ce qu'il faut, ça c'est fait, on va faire là-dessus la réchauffe, donc
quand on n'a vraiment pas besoin. Hop. Ralenti. Ah tiens. Il tourne. Voilà, la check. Alors, c'est coupure, pompe. Voilà, un cran. La dernière. Ah, on est déjà. Bon. Et voilà, fermé, verrouillé. Alti, c'est fait. Conservateur, c'est fait. Ceinture, tout le monde est attaché, oui. Ouais, c'est bon. Hop, attaché. Et les trois axes. Ah, ah, ça marche à tous les coups, ça. C'était bon. Alors, attention, on part sur le Morvan. C'est parti. Et voilà. Alors, je vérifie quand même. Ah là 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 là. Pion. Température. N'a pas monté encore. Donc, pas bien vite. Hein. Ah, il fait chaud là, c'est pas. Alors, j'ai combien dans ce bon là? J'ai 5 minutes, c'est bon. Ouais. Pas trop en rajouter. Je pense d'en remettre une pelle. Pas l'être trop. Alors, dernière vérification, pompe, volet, derrière. Tout est bon. On part du Fox Québec Serra, on est au point d'arrêt, on roule pour aligner piste 18 au teint. Aligné. Hauteur du Fox Québec Serra, on est aligné en décolle piste 18 en hauteur. Allez. Et c'est reparti. C'est reparti. Alors, on a les tours, c'est bon. Résidus de schiste. Ah, le théâtre romain à votre droite. Ah ouais, avec le
directeur au-dessus. Avec le... C'est pas château, c'est l'école militaire. Ah, c'est l'école militaire, ça. Ouais, c'est une école militaire préparatoire. Ah, ok. Avec le cimetière. Et justement, ma femme me dit que t'as un cimetière militaire, mais... Non, non, c'est civil. Ah, celui-là, c'est le civil, d'accord. Ah oui, ça fait une belle vue, là, comme ça. Ah, c'est chouette, hein. Ouais, parce que suivant l'heure, si c'est le matin ou l'après-midi, je prends d'un côté ou de l'autre. Eh oui. Parce que quand vous avez le soleil, vous voyez rien, quoi. Tout à fait. Donc l'école militaire, après le grand bâtiment, c'est le grand séminaire. D'accord. Hein? Après, ben, on voit l'évêché avec la tour carrée, là-bas, juste devant la cathédrale. Vous voyez la prison à Rome, qui est rigolote, qui est à droite, on ne la voit pas encore. Et vous voyez la tour des Ursulines à votre gauche. Ok, ouais, d'accord. Bon, bah, du coup, je vais monter autrement parce que là, j'aurais pas assez d'altitude. C'est pas grave, comme ça vous verrez. Voilà, le vieil hôtel, on voit bien sur la petite colline, hein, on voit bien qu'elle est. Ah, ouais, c'est voilà. Ah, ouais, c'est la cuvette, hein. Voilà. T'as le coup quand même de faire le tour. Ah, ouais, ah, oui. Ah, c'est chouette. C'est clair. C'est drôlement chouette. Hein. Voilà, alors quand c'est le soleil couchant, c'est plus joli de ce côté-là. D'accord. Mais bon, là, c'est pas le cas. On va aller repart le long là, vous voyez là-bas. Vous allez passer pour monter à la croix, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vous remonte à gauche si j'arrive à grimper. Ah oui, la croix, d'accord, elle est là. Voilà, la croix est là, hein, juste en haut. Oui, d'accord. Brillant, bah, on
après, ça c'est Guenon, 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 je pense que c'est Lézy et Pau. Bah, Brion-Lézy, c'est là, hein. D'accord. Oui, ça va. Ouais, c'est ça, vous êtes plus par là. Bah, Brion, c'est un faux étalé, hein. Je ne sais pas si tout ça, ça fait pas partie de Brion, là. Oui, c'est bien possible, pour regarder la carte, il y a un Brion. Ouais, ouais. Et Lézy, on va. D'accord, bon, on passe à la verticale, là, alors. Donc, bah, Brion, là, c'est une petite maison, là. La mairie, elle est, si je me souviens bien. Et tout ça, c'est brillant, c'est une grande commune, hein. Très étalée. Bon, ton verre ? Non, c'est bon, c'est bon, j'ai... Tu veux le fermer, hein ? Ouais, non, c'est bon. Je l'ai dirigé autrement. Voilà. Parce que ça se tourne aussi comme ça, hein, si vous voulez envoyer. Ah ouais, d'accord. Plutôt vers le bas, ou plutôt, voilà, vers la vitre, hein. Mettez comme vous voulez. Ok, merci, impeccable. Il y en a à l'arrière aussi, hein. C'est Lézy, hein. Donc Lézy, Brion derrière. Ah oui, je reconnais bien Lézy là. Enfin, on doit être juste en dessous là quelque part, mais... Ah si, ça y est, je crois que je vois... Vous avez retrouvé, c'est bon ? Ouais, à peu près, la voie de chemin de fer... Ah oui. En réalité, quand on vient d'Autun, on prend la grande route qui est là, devant nous, et on prend au carrefour là-bas, juste ici. Vous prenez la route pour régler Lézy, et après Brion, et après Lézy. C'est ça, voilà, on passe sur le pont, là. Voilà. On a la voie de chemin de fer un peu plus loin. Voilà. Et voilà, de Fox-Front Observator, à 20 arrivés en plus de... On a un ciel bien dégagé aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est chouette. Hein. Ouais, pour ce temps-là, ça va encore. C'est pas. Ouais, c'est l'après-midi. Ouais, après-midi, on a chaud, hein. chaud. Ouais. Alors, une petite vérif. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, bien sûr. Ça, les températures. Le nombre de tours. On peut même en remettre un petit peu. Voilà. Hop. Ensuite, température carbu, c'est bon. Et on reprend dessus. Ça c'est bon. Tout est bien. Pourquoi remonter un peu? C'est le meilleur, dis donc. C'est le meilleur, ouais. Le début, hein. Voilà, ouais, ça part. Le point c'est quand on arrive au feu là, au-dessus. Ça, c'est le bon bain vrai que vous avez en face, hein. Ouais, d'accord. Vous voyez là où il y a les foules. Ouais. C'est le bain vrai, ça, oui. Et là, à votre droite, ben, je vais vous le mettre en main droite, comme ça, on grimpera après le bain vrai, comme ça, je ferai un petit passage sur les foules. Ça, c'est ça, les gens sur le bain vrai, si vous avez entendu parler. Ah oui. Je connais, oui. Petit village qui est juste sous le bain vrai, le village de. Vers Saint-Gétorix. Ouais, ça léger sous bord, oui. C'est pas par là qu'il y a un truc islamique là. Pas là, mais un peu plus loin. À Saint-Léger de Fougeray. Ah oui. C'est en allant sur Château-Chinon. Voilà, c'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Ah, il faut que je fasse un confond. Voilà. C'est ça, on a un temple bouddhiste là-bas un petit peu plus loin. Bon, j'aurais bien monté un peu, moi, mais il n'y a pas... On fait chance, papa. Tout est bien pour toi. Il y a un grand panneau, hein. Il faut la m'aider, là. On souffle, là, bas, là-bas. Il va falloir pédaler, hein. Allez, on va faire grimper comme ça. Allez. Hop, 150, c'est bien. Montée normale. Oui. Pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà, ce qui compte, c'est de monter. Ah, ça grimpe, hein. Regardez sur la carte justement, ça fait des vallonnements, des bosses et des creux, en veux-tu, en voilà. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on a le
matin on a pu voir le déclenchement thermique. Hein. Ouais bah oui, près des reliefs. Hein. Ce qui fait que ça nous... ça se coule un peu quoi. Allez monte. Monte, monte, monte. Hop là, un oiseau. Ah ouais, y'en passe. Hein. En étape de base 20. On voit loin en plus là à gauche. Hein. Ah oui, aujourd'hui, on voit pas le visi, hein. On voit presque Moulin. Ah oui. Ah oui. C'est là-bas un Moulin dans le fond. Hein. Mais c'est, il y a des jours, mais c'est pas bon signe. Hein. Bah non. C'est plutôt un signe de pluie. Il y a du monde là-bas. Au sommet du Mont Blanc. Ouais. Ah, ouais. Ah bah il y en a un peu même. Hein. Ouais, là il y a une colonie, là il y a un bus. Hein. Ouais. Je vais tourner derrière pour que vous voyez les fouilles. C'est plus intéressant. Voilà les fouilles. Ah, alors, ça commence ici, toc toc toc, il y en a un peu partout. Ouais, d'accord, ouais. Je vais vous faire une inclinaison tranquille. Ah oui, ok. Voilà, vous allez voir là-bas derrière, il y en a des jolies. Ah oui, pas qu'il les ait couvertes. Mais ça change tout le temps. Hein. Ah là, c'est couvert. Ah il est couvert. Voilà, ils ont ah ben il y en a un bout derrière, regardez. Ouais. Il y en a des jolis morceaux derrière. Ah ouais, c'est chouette, dis donc. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Oh là là, oh là là là. Ah, pour filmer, c'est pas évident, hein. Non. Voilà. Ouais, c'est normal, hein, c'est... ça chauffe, quoi. Les reliefs, ça fait automatiquement. Ouais, ça chauffe, ça monte quoi. Hein. Les thermiques, ça monte dans le thermique, ça descend autour. Hein. Voilà. Voilà. Ah, oups. Alors, on va aller voir. On va aller par Château-Chinon, Pincère, les Sétons. Et voilà. La c'est chouette. C'est chouette. Voilà. Voilà, là derrière, on va sûrement reprendre une petite. Hein. C'est normal. Bah oui, contre. On est la charge parce que les ministères ils nous laissent tranquille alors. Apparemment, oui, c'est pas actif, j'étais surpris parce qu'un lundi matin, c'est les autres zones qui sont actives plus dans le sud. Ah oui. C'est rare, hein, d'habitude c'est nous, hein, tout le temps. Ah voilà. Ah bah non. Ouais, c'est parce qu'ils savaient qu'on venait, c'est pas ça. Je sais pas. Bon, ils ont peut-être changé d'avis, mais j'ai pas le regard et enfin, j'espère que non. Hein. Normalement, ça change pas. Hein. Parce que là on est dans un 45 tout le long. Hein. Ouais, avec tout au-dessus du Morvan, c'est. Alors tout passe là vers l'antenne, là. Château-Chino, les Sétons, Pincère, c'est tout le temps. Hein. Ouais, c'est en est. Allez, hop. C'est celle qui va jusqu'à Nevers. Oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. On a deux. Ah, non, c'est plus la 45, c'est la. C'est là, c'est là, c'est là. Ta-da-da-da. On est. Hop. Garde Golf Papa Echo Tango Hotel, c'est à 25 pour le 11 de Golfe Echo Bravo Oscar Sierra. Les chevaux, là. C'est rouge.
DR400 Foxtrot, Golf Delta, Yantic, Fred Solo, bonjour, à 1 minute de vos installations dans le 350 et je me reporte vertical terrain pour une intégration. Hop, à 2000 pieds. Oui, oui, oui. Fred Solo. À Milan. À Milan. Ah, j'ai pas vu. Aïe, ça file là. Tu viens en face comme ça, nous on est déjà vraiment pas très vite, on dirait 400, on est en 180 là. Hein. Mais l'autre il arrive encore à je sais pas combien, 30 et quelques kilomètres heure. Ah j'ai pas vu. Ça, ça fait mal hein. C'est sûr. On en a déjà pris un mais avec, heureusement avec un LPA28 qui est donc métallique. C'est quand même plus costaud quoi. Ah ouais d'accord. Mais ça tape hein, le gars qui s'est arrivé, il a eu peur. Hein. Ah bah je veux bien croire. Ah mais heureusement c'est incontrôlable. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y a des bulles, parce qu'il va y avoir des oiseaux qui montent comme ça à 3000 pieds sans donner un coup d'aile, là, on voit bien que ça... Ouais d'accord. Il y a des thermiques hein, qui les font monter quoi. Château Chénon. J'ai allé environ 2-3 fois par semaine. Ah oui. Ici là, oui. Ah oui. Je connais bien la ville, t'en pas. Bah oui. On a le relais qui est en haut là. Bah, c'est la hauteur. Je vois que je suis le vert là-bas. Hein. Voilà. T'as été ce matin loin, Jean-Claude ? Ah oui, impeccable. Impeccable ? Ouais. Il n'y avait pas grand monde ça. Les... Ouais, voilà. C'est un joli village, hein. Pas une petite ville même, hein. Ah oui. C'est plus un village, hein. Tête de Chinon, vue du ciel, là. Voilà. Pas trop près, là, ça va. Impeccable. Impeccable. Moi, j'en ai passé où il y a l'antenne relais, là-bas, télécom. Ah, d'accord. Juste un truc calvaire. Ah oui. Ah oui, oui. Bah, c'est là qu'on allait. Hein. Et puis j'ai passé des nuits de dimanche là. Ah bah sûrement oui. Regarde. Pas dans les orages. Ah oui. Alors, l'été ça va, mais l'hiver, pour venir de la mer la nuit. Hein. Ah oui, c'est vrai que la route, hein. C'est jamais très agréable. Pas terrible. Ah. On découvre le Rappenser là en face, vous voyez à droite. Là-bas, oui. À 1h. Cette couleur verte, elle est belle, hein. Oh, bien, ouais. C'est chouette, hein. C'est calme, hein. Oh, ouais. Oh, bah, ça va sécher après l'hiver, hein. Si on n'a pas plus d'eau que ça, ça va finir par sécher sérieusement, hein. Ça va vite jaunir. Hein. Enfin, avant, ça reste quand même quelque chose d'assez arrosé. Hein. Oui, ça, oui, ça va dans le sud, oui. Il y a des orages et tout, donc finalement, ça reste un peu vert. Hein. De toute façon, avec le relief, ça participe aussi à. Oui. À l'activité, comment dire, nuages, météo et compagnie. Tout à fait, oui. Mais après, souvent, les orages, ils arrivent de l'ouest là-bas, et ils arrivent, ils viennent taper ici, là, sur le bord. Hein. Ouais. Et pour deux années, des fois c'est le marin, des fois c'est le tunois. De l'autre côté, ils vont mettre un château là. Alors je vais vous le laisser en main droite toujours hein, pour vous profiter au maximum. Hop. Moi je connais par cœur. Passe. Patière. Voilà. Avec le barrage au fond, là. Tout au fond, et on va passer derrière le barrage et après on va retourner sur les 7 eaux qui sont là-bas à droite. D'accord. Ah, c'est joli, hein. Ah, bah, c'est sympa, hein. C'est vrai que ça. C'est bon, mais... avec la verdure comme ça. Bah, après, si on va un peu plus loin, après c'est tout plat, hein. Mais on va d'ici, on voit bien qu'il n'y a plus rien. Oui, après c'est fini. Là, on est au cœur
cœur du bon vent. Non seulement on est au cœur du bon vent, mais en plus on est pas haut, ce qui fait qu'on peut bien admirer le paysage. Il faut se concentrer vraiment non plus, oui. Parce qu'après on peut. Oui, quand on est bon, on voit les trucs qui nous arrivent dessus et il n'y a aucun intérêt. Tout à fait. Mais là on est pas haut, parce qu'on est à 2000 pieds, ça doit faire du... Donc on est en taille à 1000 pieds. Ouais, c'est 2000 pieds sol. On est à 500-600 pieds sol. Ouais, ouais. Ouais. Et à la limite de ce qui est autorisé, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, le... Ah, c'est chouette, le barrage de Panser, il y a de l'eau, hein. On va passer derrière le barrage, comme vous voyez le, l'édifice un peu. C'est un peu... Au pas, ça doit être impressionnant. Alors, on a vu en 3 minutes pour faire le tour, et à pied, pour la journée, quoi. Ah oui. À pied, c'est plus long, hein. Celui-là, c'est pas un rapide, hein, le DR400, ça va chevaux là. Oui. Si vous prenez le PR28, vous venez à 220, 225 km/h. Hein. Ah oui, c'est encore mieux. Ça, ça file, hein, là, quoi. Là, on est à... Puis je suis à 180, mais bon, je sais pas. 170, 175, quoi. C'est pas un foudre de guerre. Pour le tourisme, il n'y a pas mieux. Oui, voilà. Voilà, on peut voir, hein. Ouais. Ah, par contre, là, il est dans l'ombre, hein. Soir qu'il est au soleil. Alors, on va se refaire secouer un peu parce qu'on va rattaquer le relief, hein. Normal. Ah, il y a de l'eau derrière, hein. Ah oui, il y a de l'eau. On voit bien le niveau de l'eau par rapport au sol. En fait, ça en fait des milliers de mètres cubes, ça. Même des millions. Je connais certainement. Je connais pas la compte. On va grimper un petit peu là parce qu'on est un petit peu bas quand même. Roots. On garde au moins de 500-600 pieds quoi. Bah oui. Allez, hop. Oui, il y a le pépère, hein. Ouais, oui, on le sait bien. On le sait bien, hein. Ouais. Finalement, j'ai pris la bonne place alors. Ah bah oui, vous êtes à l'ombre. C'est bien. Alors dans cet avion-là, il est tellement vitré que quoi qu'il arrive, on est au soleil. Hein. Ah bah de toute façon, oui. Ah oui, ça c'est... C'est ce qui en fait aussi tout son intérêt d'avoir cette vue, cette vue-là. Ah voilà. Le Pulet, là, il est sur le côté là. Ah c'est là-bas, c'est le petit village d'Ourou. Je sais pas si vous avez entendu parler. Ah moi je connais le nom, oui. C'est le petit village, on va aller voir l'église bientôt avec ce petit clocher. Ouais, on la voit qui passe au-dessus des arbres là. Un report, c'est pour nous. Donc j'ai regardé ce matin là, c'est la quatrième fois qu'on est dans le Nord, hein, en 5-6 ans. Ah oui. On avait été donc la première année, donc je vous disais du côté de Solio. Oui. Ensuite on est allé déposer à Valence, un village qui s'appelle Le Mex. Oui. Et la dernière fois c'était Chissé-en-Morvan, il y a 2-3 ans. Ah oui d'accord, Chissé là-bas, oui. Oui, ouais, Chissé je connais, oui. J'ai déjà été. En montant sur les 7 ans, d'autant les 7 ans, oui. Bon alors les... là, Ourou est bien là à gauche. Les 7 ans sont là derrière dans le trou, hein. À moins qu'on nous les ait piqués, mais bon. On sait jamais. Voilà. Ah. On se méfie de bonjour, ça va. Ouais, tout le monde, ça peut se déplacer, hein. Faut juste mettre les bonnes pompes, hein. Ouais, là, je finis dans la salle, hein. Ah oui. L'eau. Ah, c'est... Il y a du bois, hein. Du bois. Il n'y a pas à dire, c'est bon en bas et c'est bon en haut. Ouais, ouais, c'est une belle région. Moi, je suis pas objectif hein, parce que je suis chauvin, mais. Ah, bah, vous pouvez, là. Ouais. Je peux pas dire que c'est pas bon non plus. Hein. Non, je préfère. Il y a 2-3 jours, j'ai emmené des gens qui venaient des Vosges. Ah oui, ah, bah,
les rouges aussi, c'est... Alors, c'est ce que je disais, je dis bon, bah les rouges, c'est chouette aussi, hein. Ah bah oui. Mais bon, ça reste les rouges, pour moi c'est le bon vin, c'est chez moi. Les rouges ont forcément perdu. Bah oui. Ah, oui. L'hélico du SAMU, bonjour, en venant de Chalon, on va peser sur l'hôpital dans 2 minutes, face au sud, à Montre-les-Mines. Ça c'est un hélico ça. Ouais, c'est le SAMU. Il a fait plein de moches lui là. Et c'est ton... Je suis un petit peu trop à droite là. Je me disais c'est bizarre, j'ai pas le relief là d'habitude. Voilà, un petit peu trop là, ça y est, je l'ai. Un petit peu trop, oui. Trop au sud. Ah, ouais, c'est tombé. Ah ben voilà, on l'a perdu de manière optimale là. C'est mon songe. D'accord, mon songe, c'est ton, oui. Voilà. Ah, j'ai tout nettoyé, pare-brise ce matin, tout ça, c'est tout refaire. Ah oui, non, en ce moment, c'est infernal. Ah, il y a la chaleur. Hein. Les pestotes, ça, les bons matins, je les ai fait juste avant que vous arriviez. Hein. Ah, oui, ils sont couverts dans le boucheron. Ah oui. Ah, c'est fou, hein. En hiver, on les lave pratiquement pas, les avions, mais en été, c'est ouais, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. Tout le temps, ouais. Voilà, laissez tomber. Si on fait juste comme ça, tour l'autre ou on fait le tour, la boucle, on fait le tour. La boucle, ok. Oui. Oups, je vais essayer de vous montrer la digue. Attention, je vais incliner à gauche. Hop, on en profite à gauche. Voilà, le petit village de Bonsauge. On va essayer de choper la digue là. Elle est ici, ok. Ah, elle est là, oui. Ah, dans l'ombre aussi. Ah, le matin, c'est pas comme... Ah oui. C'est différent. C'est souvent l'après-midi qu'on fait les vols, mais on n'a pas les mêmes... Ah, c'est pas la même lumière. Non, c'est pas la même lumière du tout. Hein. Ah, c'est joli là aussi. Voilà. On a du vent un petit peu là, on voit les rides sur l'eau. Ouais, un petit peu, oui. C'est ça qui fait aussi que ça se coule un petit peu, parce que là, les bulles d'air chaudes qui montent, et puis quand le vent, il les cisaille un peu. Ouais, d'accord. Et du coup, ça fait c'est haché, quoi. Ouais, de l'aérologie, quoi. Là-bas. Ah oui. Ah, c'est la base de tes loisirs, oui. Ah, c'est mieux, genre, le soleil qui va passer dans le dos. Et là, c'est pas plus mal. Ah, les lumières sont belles, hein, quand même. Ah, oui, oui. Ah, oui. C'est joli, non. Ah, c'est différent, quoi, entre le matin et l'après-midi. Ah, oui, oui. C'est pas les mêmes choses qui sont éclairées. Le soleil, là, il est là, il éclaire plutôt là, c'est sûr, hein. Les soins, ils se couchent là-bas, donc la digue, des choses comme ça, c'est illuminé, quoi, c'est joli, hein. Ah, oui, c'est chouette, hein. Par contre, tout à l'heure, le théâtre romain, vous l'avez vu, le soleil, quand ouais. On voit le soir, on le voit pas, il est dans l'ombre des arbres. D'accord. Ça fait une tache noire, on le voit pas. Ah, oui, on voit pas. Ouais. Voilà. Le château de Mongeau, pareil, le soir il est dans l'ombre. Ah, parce que là on l'a bien vu. Donc là il est plein soleil. Ouais. Bon, on va faire un tour sur l'eau alors. Combien j'ai 2500 pieds, allez hop. C'est bon, on y est droit. Oui, bonjour de Foxtrot Hotel, Foxtrot Hotel, pas mal.
Foxtrot Hotel, Foxtrot Papa Mike. Voilà. Un Cessna 152, deux personnes à bord en provenance de Lyon à destination de vos installations. À la verticale de vos installations dans 8 minutes, Foxtrot Papa Mike. Ah, je suis passé dans 3-4 jours là. Hein. Et c'est pas bio de bateau. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah oui, faut le prendre l'ascension. Ah ouais, partout. C'était tout blanc. Le lac était blanc. Mais il y a des petits oiseaux qui s'étaient posés. Ah ouais, je pense qu'il devrait y avoir du monde. Ah ouais, il y avait du monde. C'est pas... Là tout là, c'était tout. Tout plein. Ouais. Tout plein de petits points blancs. Bah là ils sont pas encore arrivés peut-être les gens aussi, même les vacanciers ou. Ah peut-être pas encore. Il y a que le week-end que ça tourne quoi. Ouais voilà. Ah bah alors ça y est dans les yeux peut-être hein. Pour les caméras. Oh bah, c'est bon. C'est joli ça. Bon, je pense que le jeu du fort de Maïga, c'est un samanard. Ah c'est joli. Ouais, ouais. Bon, bien, hein. Merci, impeccable. Ah bah ça fait... Bah après, avant de venir, j'essaie de trouver les meilleurs angles. Ouais, c'est ça. Pour la voir, quoi, que ce soit le plus sympa possible. Hein. Les premières fois on passe, on fait un peu n'importe quoi, mais à force d'y aller. Oui. On finit par ça. On finit par trouver le meilleur passage quoi. On va remonter un petit peu là, je vais essayer un truc, mais je vais pas vous le dire avant parce que si je le loupe, il n'y aura pas de déception. Ah voilà. On trouve que c'est qu'il est un peu à gauche. Hein. T'as déjà fait le tour à pied de cette route? Oui. Oui, ah, ouais, ça occupe, hein? C'est ça, oui, ça va. Ah oui, ça ira tranquillement pour la journée, là. Oui, voilà, faut être allé la journée. Je l'ai fait une fois, ouais. Il y a de l'eau là-bas aussi. Ouais, c'est Saint-Agnan qui est plus haut là-bas. Comment? C'est Saint-Agnan. Ah, peut-être, oui. Alors, on va sur Soulé, si on va. D'accord. Si on part par là-bas, hein. Ouais. Je tourne un petit peu. Joli, non, hein.
va pas bouger, hein. Voilà. Bon. Impeccable. Allez, très bien, merci. Il est bon. Ouais. Nickel, hein. Allez, bon, ouais. Ah là, je vais basculer à gauche, hein, parce que là, je vais me manger la montagne. Oui, tant pis. Allez. Bon, tu vas pas nous secouer comme ça jusqu'à l'hôtel, toi. Ah ça commence à chauffer là, hein. Ouais, le soir, ouais. 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 Et ben, par là derrière à droite, il y a Chissamon, hein, je pense. Oui. Ouais, je vois pas parce que c'est pas visuellement du dessus, c'est pas explosé. Non, c'est juste là, voilà, je me rappelle. Parce que quand on venait de Chissé, on passait justement dans le petit vallon que ça fait à droite là. Oui. Ils ont débouché sur Ménéfer. Ouais, ouais. Ça là, parce que je me tape la tête dans le... Ah oui. Là-bas, c'est peut-être son lieu qu'on aperçoit. Ouais, c'est plus derrière, je pense. Plus derrière, c'est, c'est plutôt l'Hermé, là. L'Hermé. Ouais. D'accord. Alors, je crois que c'est cette vallée-là. J'espère que je pourrai faire un tour de château, parce que si ça se coule autant qu'ici, pas forcément agréable pour tout le monde. Ah, ça va aller mieux dans la vallée. Ah bah là, c'est une différence fondamentale avec le simulateur. Ah ouais. C'est qu'on bouge pas dans un simulateur. Ah bah voilà. Ah bah c'est ce qui manque, ouais. C'est ce qui manque. Il faudrait un gros simulateur. Ouais, avec des terrains. Ouais. Ah bah attendez-moi, c'est quoi le petit village là? C'est pas là Cussy, si? Bonne question. J'ai la carte sous le nez, mais là, j'ai pas fait de repère. Si, c'est Cussy. Cussy en haut à droite. D'accord. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Je reconnais l'école. Voilà, c'est ça. À la mairie, voilà, c'est ça. Tu sais, alors normalement j'ai un peu d'appel. Je sais pas trop où, j'ai perdu, c'est ça. Ça doit être cette vallée là. Moi j'ai mes petits repères, mais bon. Ouais, c'est ça, je le vois d'ici. Ah, tiens. Alors là, on va découvrir un petit château, on va sûrement se faire secouer. On va découvrir un petit château, là dans le trou. J'essaierai de faire une boucle si ça se coupe pas de tout. Ça s'appelle le château de Chamon, vous avez dû entendre parler. Ah oui, je connais le nom, oui. Et on le voit pas, c'est des trucs qu'on voit qu'en l'air, quoi. C'est pour ça que j'emmène les gens ici, quoi. Ouais, j'ai vu les pancartes de... Enfin, quand je suis intelligent, oui. On voit les pancartes château de Chamon. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui s'est accroché à ma queue, là, derrière. Ça se coule, c'est une vraie marmite. Ah, c'est normal, hein, cette époque. Hein. Mais je vois, après, l'été, c'est tout chaud partout. Ah oui, d'accord. Ça se couvre, hein, ouais, mais là, c'est... La terre se réchauffe. C'est chaud, homogène, après. Après, c'est plus homogène. Là, ça déclenche. Hein. Ah, il est là-bas dans le trou. Je vais descendre un peu, mais pas de trou, parce que... Comme il est pas vif, après, faut remonter. Hein. Ah oui. Là dans le trou, il voit les grues. Alors on descend un petit peu. Ça va être ça, non? Oui. Voilà. On est trop haut là, à mon avis ça donnera rien. Carte un peu. Ah, il y a une belle piscine. Voilà, c'est le petit village de Sebo. D'accord. Sa petite église, son château, voilà, qu'on va découvrir. Il y a la piscine là. Et enfoui dans les arbres. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. C'est original. Ah, il est joli, ouais. Il est tout en petite tour. Ouais. J'aime bien le montrer celui-là. Tout à fait, ouais. On en voit très peu des. Je sais pas combien de tours, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10, une dizaine. Ah, t'as dit long. J'allais un peu plus loin parce que vous allez être. Comme ça, quand j'inclinerai, vous allez mieux le découvrir. Alors, on remet 2500 tours, on va incliner s'il veut bien y aller. Voilà. Allez, mon pépère. Ah, j'arrive pas à me stabiliser le truc, hein. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, on a pas fait, il est beau. Il en fait qu'à ses fêtes. Il est chouette, disons, hein. Ah, il est magnifique, ouais. Ah, oui, oh. C'est marrant, hein, comme château. On dirait qu'il y a manqué un bout, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, dans l'autre côté, on a
l'impression qu'il manque une muraille. Un mur ou je sais pas, un bâtiment, je sais pas. Ah non, c'est l'entrée apparemment. Ouais, il y avait peut-être des murs à une époque, hein, parce qu'il y a la grille et... Voilà. Ah ouais, ah, bien, merci. Bon, merci. Ouais. C'est vrai que là... Ouais, effectivement, faut le trouver, c'est là. Hein. Oui. Faut le trouver. Voilà. Bon, il reste un château de celui, mais bon, pour y aller et revenir, il y en a pour... au moins 20 minutes. Hein. Ah oui. Là, ça fait, je vais vous dire, ça fait 50 minutes qu'on est parti. 50 minutes. Ah ben ça, c'est le truc de base. Hein. On a, ça passe à une vitesse. Ah oui. 50 minutes, le temps de rentrer, ça va faire encore pas loin. On va faire presque une heure. Ah ben c'est parfait. C'est ça qu'on avait dit. Hein. Oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Bon, après, si vous voulez autre chose, on m'avait mis de l'essence. Hein. On fout, moi. Ouais. Après, il y a l'heure aussi, il est 11h10. Hein. Ouais. 11h10, non, c'est très bien. C'est bien, hein, c'est vrai. Parfait, ouais, ouais. Bon. Partirez pas déçu. Hein. Non, non, du tout. Tout à fait. Le but, hein, c'est que les gens soient contents, hein, sinon c'est... Oui, hein, c'est sûr. Hein. C'est plus la peine de faire de la découverte. Hein. Et c'est pour ça, une demi-heure de découverte, en fait, ça passe très très vite. Une demi-heure, on fait le tour au temps. On va derrière un petit peu sur le château qu'on a vu tout à l'heure, là, mon jeu. Oui. On écarte un petit peu plus, puis bon, on tournicote un peu, quoi. Oui. Parce qu'il faut prévoir, si vous avez du monde dans le circuit, il faut prévoir qu'on peut des fois 10 minutes à tourner là, avant de pouvoir se poser. Ah, d'accord. Si on n'est pas prioritaire, donc à cette altitude, le temps il passe pas de la même manière. Ah oui, ah ben... Mais sinon, ça décolle du temps. Ah oui, on a l'impression que le temps s'arrête, mais l'horloge elle tourne toujours, là. Oui. Elle tourne là-bas, hein. Ah oui, ça y est, un visuel, ouais. Ah oui, oui, ok. En avion, c'est... Donc, c'est le temps, les distances, tout est complètement différent. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ça, c'est sûr. Je vais quand même aller voir le sens de la manche arrière parce que ça évolue tellement vite cette heure-là. Ça peut changer, oui. Tout à l'heure, il n'y avait pas de vent, ça se trouve, là, on est plein au sud ou plein au nord, j'en sais rien. Donc, je vais faire une verticale. Quand je suis sûr, comme en hiver, c'est en place. Bon, je mets direct en vent arrière. D'accord. Mais là, je suis obligé de faire une verticale. Ouais, c'est plus prudent. Non mais c'est pareil, quand il y a du monde dans le circuit, moi je m'amuse pas comme certains à faire des entrées sur le terrain, moi je vais faire vertical et le circuit normal. D'accord. C'est comme ça qu'on garde sa licence. Voilà. Et puis professionnel. Non mais c'est vrai que c'est idiot des fois pour faire quoi, enfin, l'acrobate est arrivé. Il suffit qu'il y ait quelqu'un un petit peu méticuleux dans le coin, il vous met un truc au cul et puis vous vous retrouvez... avec toute licence quoi. Autant du Fox Québec Sierra. Retour de vol local par le nord des installations, estimé à 1 minute au rappel vertical. Même pas de minute là, il y a 30 secondes, mais bon. On est tout seul hein. Ouais. T'as pas entendu beaucoup de là sur le. Non. C'est calme hein. Ouais. La radio peut entendre quand même, non. Dit autrement, le ciel est à nous. Oui. J'ai essayé sur ceinture des fois, 10 secondes. Ah bah de toute façon, tout à l'heure ça causait hein. Ah ouais, non, elle marche. Alors, la reboot. Qu'est-ce qu'elle raconte, la biroute là? Elle dit que le vent, il est passé... sud un peu. On voit même pas. Non, on voit pas encore. Si, tiens, il est sud, hein, ça y est. Ah oui, il est oui. Ah oui, passé sud, bon, on va poser en 18 hein. Eh ben voilà, c'est nickel. Ouais, il vaut mieux parce qu'après, ouais. ça allonge et puis... Ouais, on va se poser au 18. Il y a un avion qui est sorti là. Ouais, tout à l'heure, oui. C'est un Cessna. Ouais. Entendu Fox, Québec Sierra, on est vertical installation, on s'intègre en vente arrière 18 pour un groupe l'autre. Alors, puis en même temps, ça nous permet de voir le circuit de piste. Oui. Très bien. On peut en refaire aussi même. Voilà. On expliquera ça aux copains. Bon, ça fait 1 km. 1 km 20. Ouais, 1020 mètres, ouais, j'ai vu. On a du mal à y croire comme ça. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Oui, mais largement. Hein. Même 20 arrière, c'est bon quand même. Hein. Ah oui. Ouais, ça se pose aux 400 mètres, derrière 400 comme ça. Mais bon, si on respecte les passages aux 15 mètres et tout ça, c'est vrai que quelque part, il faut tout quoi.
on est un peu coincé, qu'on a un doute, on arrive au Rabada. Pose les roues sur le peigne. Ouais. Alors, on va remettre à 2000 tours. On va régler cette petite bête là. Donc. Et le cran d'envolé, pardon. Vas-y. Hop là. Il est mis, oui. Bon, pour des fois que c'est quand même excellent, on est en vente arrière 18 pour un complet haute. 2000 tours. 2000 tours, 2000 pieds, là, il faut que j'ordonne, hein, sinon. Voilà. Ouais, pour la piste, c'est 2000 pieds. Oui. Je suis obligé de tenir un peu au-dessus, parce que peut-être on est un petit peu en charge, oui. Ça va aller. Alors, on est à 150, on va réduire un tout petit peu. 140, ce sera bien. On a tué de la bête. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est fou. Hein. Autant du fois que ce galaxy sera arrêté, pas 18 pour un complet. Hop là. Encore une petite pull pour la route. Histoire de. Jusqu'au dernier moment, on en profite. Ouais, ouais. Ah, des fois, c'est le moment où on fait la route. Et là, ça... Ah, là, c'est drôle. Là. Ah, c'est chiant, parce que ça tape un peu, quoi, mais bon. Aïe. On a fait, hein, une fois qu'on est en arrondi, on en a arrondi. Ah bah à ce moment-là, c'est... Alors, on est à 150, on va en enlever un peu... Hop là, deuxième cran. Du Fox Québec Sierra, on est en finale 18 pour un complet. Et là qu'on va arriver, on va retourner l'heure. Quand le pays arrive, souvent c'est comme ça. Pas de faire le tour, le vent il vire. Ah oui, il a changé. Là, je crois que c'est le cas. Hein. Combien là, 400 pieds, 300... Ah, il vient de l'avant droite là. Ah ouais, ouais, il droite. Il passe ouest. Ah, ah il ouais. Revient la biroute là, effectivement. Ah il revient. Ah il y a quand même un petit peu plus sud quand même que nord. Ouais, il y a 3 quarts quand même. Allô. Ah, 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 retour au plancher des vaches. Hein. Allez, roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Voilà. Au temps du Fox Québec Sierra, contrôlé, on effectue un 180 sur la 18 out. On va faire un peu d'air parce que là, hein. Ah oui, ça, ça fait pas de mal, ça évolue, hein. Ouais. Au sol, ça chauffe, hein. Oui. Allez, on a bouffé quoi, la moitié de la piste là. Ah ouais. Sans pratiquement freiner, hein. Ouais, oui, d'accord. Parce que si je freine, je vais en 300-400 mètres, 400 mètres, c'est bon. Impeccable. Allez, on revient. Excellent. Dans l'axe. On l'avait bien freiné parce que demain, il y a une barre qui passe là. Ah hein. Oui, oui, ça va. De reste, c'est pas beau. Hein. Après, comment ça va se remettre, on n'en sait rien du tout. Hein. Oui. Là aujourd'hui c'est parfait, c'est parfait. Ouais, la transition se faisait entre aujourd'hui et demain, ouais. Voilà. Enfin ça c'était sur le général à Météo France, bon mais bon. Oui mais c'est assez fidèle. Le hein. Général, c'est assez fidèle. On l'a quoi. Bah, donc, de toute façon la météo, notre météo aéronautique c'est le jour même. Hein. Ouais.
Ah bah oui, de toute façon. Je comprends bien qu'on est jamais bien sûr. Ça reste la météo. Ouais, ça va à 12h, on est sûr. 24h, bon, allez. Si un bel anticyclone, tout ça à 24h, ça va quoi. Oui, voilà, tout dépend de l'état, l'état des aérologies au moment où. Le manche dans le vent un peu. Ouais, il est pas violent. Hein. Entendu, Fox Québec sera la piste est dégagée. Voilà, l'aéroclub du Morvan. Eh oui. 35 ans que j'y arrive, vous vous rendez compte? 35 ans, allez. Ah oui. Bon. Depuis 82. Il n'y a que 15 ans que je fais de l'avion, je faisais de l'ULM avant. Ah oui. Ah bah y en a un autre en évolution là-bas. Non, c'est un oiseau. Vu de loin, j'avais l'impression, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais pas s'il part ou s'il reste lui. Je vais lui demander. Alors, où il se barre? Excellent. Super. Hein. Ah bah, c'était un excellent vol, merci. Merci beaucoup. Entendu, Fox Québec Sierra, on est au parking, on quitte la fréquence, au revoir. Merci. Alors. Toc, toc, toc. Les essais coupés. Et on étouffe. Et voilà. Allez, on va refaire une synchro audio. Voilà, tic, check. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je vous ai emprunté un jerrycan parce que j'ai envoyé personne me chercher de l'essence, mais ils ont mis elle m'a pris de la E10. Voilà. Vous allez voir, vous allez tout. Parce que, ça y est, j'entends déjà mieux là. Ah oui. Ah, c'est un gaffe de pas prendre. Non, faites gaffe de ne pas prendre un jerrycan où il y a eu de la merde dedans. Hein. Non, mais je vais regarder. Ah ouais, parce que là, c'est. Je sais pas ce qu'ils font avec les jerrycans, hein, mais. Il vaut mieux bien regarder dans le fond. Hein. Oui, il y a des transferts, des fois, ça me. J'aime pas trop ça. Mais... Alors, ça va là. Bon, bah écoutez, on a une heure d'enregistrement audio, donc c'est déjà le truc a fonctionné. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. Il y a toujours un peu de suspense pour savoir le résultat final. Mais en général, ça marche bien. Ouais. La GoPro, ça marche toujours très bien. Donc j'ai une trace GPS, c'est bon. Moi aussi, j'ai une trace GPS également. Et si avec ça on arrive. Ah ben écoute, heureusement que. Mais tu sais quoi, Jean-Claude, hein? Heureusement que tu as une trace GPS parce que le mien il s'est éteint. C'est pas merde. Comment ça va apparemment, enfin je l'ai en GPX. Ah, pardon. Ah mais c'est parfait. Tu prends me l'envoyer s'il te plaît. Vous voulez que je vous donne c'est 30 minutes. Parce que là avec le parallaxe. Ah ben, et il m'avait jamais fait ça. Hein. C'est mal enregistré oui mais éteint jamais. C'est la batterie ou. Non la batterie elle est peine. Elle est qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mis au 10h30. C'est combien là? C'est 3, 4, 1, je vois rien, il y a la machine devant. Il y a 111, 205. Ah là, il y a toujours un truc qui. Ah c'est 111, 20. Enfin le chiffre qu'il y a. 111, 20, ok. Et puis 30, ouais 30. Ouais c'est 30, j'ai dit 30. Ah c'était 19, oh là, que j'ai fait. 19, virgule, c'est fait à 30, et là on est à 31. À 31. Ouais, il est passé, donc il est passé, il faut que je le mette. Alors, 31. Arrivé, 11, 3, 1.